Musicalement, édition spéciale, en ce vendredi 29 avril, trois programmations alléchantes vous attendent au Goethe Institut. Et parmi celles-ci, le workshop qui est en train de se dérouler sous la houlette de Julian Kouak, le Berlinois, et de Brahim One du Sénégal. Team Musicalement est parti leur rendre une petite visite et leur a tendu le micro pour avoir leurs impressions par rapport à ce workshop. Fait la connaissance avec le Goethe Institut, Julian et les autres artistes sénégalais à travers donc la musique et à travers des concerts. C'est plus à partir d'un concert que j'ai à faire ici qui m'a permis de rencontrer donc l'équipe du Goethe Institut et qui m'a permis de me familiariser avec eux. Et c'est ainsi qu'avec l'arrivée de Julian, on a travailler ensemble sur ce workshop. Pour l'instant, ça se passe très bien et on apprend beaucoup de choses et on échange beaucoup de choses. Also die erste Erfahrung, Dakar ist eine neue Stadt für mich. Ich komme auch aus einer großen Stadt, Berlin. Also das Wichtigste, wenn man an einen neuen Ort kommt, sind die Menschen, die einem dort begegnen. Und wirklich jeder, der mir über den Weg gelaufen ist, mit dem ich zu tun habe, hat mich sehr herzlich empfangen. Und nicht nur auf menschlicher Ebene, sondern auch auf musikalischer Ebene habe ich jetzt schon sehr viel von den anderen Schülern oder Studenten hier gelernt. Ich glaube, am Ende werde ich mehr von denen gelernt haben als anderswo. Pour le vendredi 29, nous préparons un concert qui sera très riche en musique, très riche en recherche musicale et avec différents styles. Et ce sera une ambiance à ne pas rater, franchement, avec notre ami Julian et une autre artiste, Carmel Zoom. Et parmi tant d'autres, avec le grand Kamou Yandé. Je pense que ce sera très riche en musique et c'est vraiment à ne pas rater. Ich glaube, es ist eine großartige Idee, verschiedene Musiker aus der ganzen Welt zusammenzubringen, weil man immer voneinander lernen kann. Und für mich als akademischen Musiker ist es großartig, mein Wissen vermitteln zu können, aber das intuitive Wissen von den anderen mitzunehmen oder das intuitive Können. Und das ist ein, wie soll man sagen, ein gegenseitiges Befruchten. Das ist super. Donc rendez-vous ici au Goethe Institut le vendredi 29 avril à partir de 19h30 pour l'exposition d'abord de Belia, ensuite la restitution du workshop qu'on a établi avec Julian Kouak, et ensuite pour terminer en beauté avec le concert de l'artiste du mois du Goethe Institut qui s'appelle Carmel Zoom. À très bientôt les amis.